Alors bonjour tout le monde, alors pour ce samedi on va en fait chez la tata Jacqueline parce qu'elle a une fuite en fait sous un lavabo et elle croit que c'est un tuyau qui est cassé, mais moi j'en suis pas persuadé, donc du coup on va juste lui changer le siphon. Mais du coup, vu que il faut lui faire un petit travaux sanitaire parce que je suis sanitaire, et bon, on prend la camionnette du boulot. Ah mince, on la voit pas correctement, la camionnette du boulot. Et du coup, il y a déjà un siège enfant dessus, comme ça on peut mettre Kylie dedans. Et puis, écoute, on va se mettre dedans, on s'attache et on va mettre aussi la poussette à l'arrière. Du coup, on est toute la famille dans la camionnette. Alors ça, c'est... on est serré, hein. Hein, Kylie? Ah oui, Grenadine, on la voit? Ouais. On est arrivé et Kylie, elle adore rouler en camionnette. T'as rien dit tout le trajet, hein. Oupsie. Viens, je te donne la main. Moi, je joue. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Tu joues avec les Lego? Le caca. Oui. La maman. Ça joue. Jaune. Je change de siphon parce qu'en fait il y a une fuite. Des moi, pubs. Je pensais que c'était juste un siphon. Mais on essaye, puis ça va pas. Oh. Ah, écoute, tu peux venir, il y a Mal qui est là. Marie et la petite Kylie qui a l'âge de Matisse. Le papa. C'est papa? Oui. Non. Oui. Hein? Mais je sais pas à quelle heure ils avaient. Ils ne pas appeler. Il fait quoi, il tourne? Je savais pas si tu tournais ou quoi, tu vois. Mais déjà. Ouais, tu l'amènes en chemin. Oui, tu viens, mais pas en cours. Regarde. Et c'est ça qui était dans le truc, oui? Oui, c'est sur. Ah, ben voilà. Sur le paquet. Je sais pas ce que c'est, hein, mais. Eh ben. Je suis. Comme ça. Voilà. C'est quoi ça, Kylie? Je suis. Comment? C'est une fusée? Non. Elle est belle la fusée? Non. Non. En fait, on est sur un parking là et puis on ferme le coffre. Mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à fermer le coffre. Alors, la dernière fois, Marie, elle a réussi à l'ouvrir et à le fermer. C'est pour ça que je dis, ah tiens, vas-y, essaye. Mais elle n'a pas l'air de réussir. Et ben, ma femme, elle a réussi à fermer le coffre. T'essaies. Ah. Quoi? Elle cache sa joie, mais en fait elle est très fière d'elle. Là on est sur le chemin pour aller chez Besson parce que Marie elle veut regarder pour trouver des chaussures à Kylie. Mais en fait elle en a déjà commandé, mais c'est juste comme ça pour être sûre qu'elle a fait le bon choix. On va dire ça comme ça. Elle te plaît ces bottes, Kylie? Oui. Ah ouais? Mes chaussures. Maman, elle met les chaussures? Oui. Marcher. Alors il y a eu un petit accident là, il y a une fille qui a tout renversé, mais du coup il n'y a personne qui ramasse, tranquille, même la mère, tranquille. Ah si, j'ai rien dit. Bon alors Kylie, on t'a trouvé tes chaussures? Oui.
Ouais, elles étaient même pas si chères, elles te convenaient assez bien. Mais maman, elle est en train de commander une paire sur internet. Là, on est chez Fly, on est en train de regarder pour des canapés parce qu'il y a moins de 30% sur tout le magasin. Et là, il faut d'abord qu'on cherche des toilettes parce que Kylie, elle doit aller aux toilettes et apparemment, il y a des toilettes publiques au Fly. Alors, on va regarder ça. Alors, celui-là, comment? Ok. Et celui-là? Nul et cher, c'est ça? Ah, nul à chier. Et celui-là? Niveau confort, c'est le meilleur de tous. Bah, niveau prix aussi, c'est le meilleur prix. J'ai pas regardé. Celui-là, comment? Celui-là, ça va? Ça va, mais j'aime pas le... Moi, je le trouve moche. Ah oui, il est pas beau. Tu testes le canapé? Il est comment celui-là? Il est... Non, il est noir. Ce que je voulais te dire, est-ce qu'il est confortable pour toi? Il est assez facile, s'il te plaît. Bah vas-y dehors alors, ferme les yeux. Kylie, t'as changé le prix du canapé? Tu l'as mis à 14€ maintenant? Pas mal, ben on va le prendre alors. Là oui, on en prend plusieurs. Bon, maintenant on a un autre problème en fait, on essaie de trouver des toilettes, mais comme par hasard, il y a tout qui est fermé, enfin n'importe quelle toilette est fermée. En gros, il y a Kylie qui va aller aux toilettes, mais on peut même pas lui... Voilà. On sait plus quoi faire. Finalement, maman, elle a trouvé une super solution. Maman? Oui? C'est laquelle ta solution que t'as eue? Pipi dehors sur le parking. Voilà, exactement. Si ça plaît pas à quelqu'un, de toute façon, on aurait dit bah, on peut pas, et tout qui est condamné, ou ça c'est fermé, ou c'est interdit. Au cas où, c'était pour le pipi de Kylie, hein, et pas pour celui-là de Marie, si je l'ai pas précisé. C'est lourd. Les paupières de Kylie sont lourdes, très très lourdes. L'essaye quand même de sourire un petit coup. Il y a un océan aujourd'hui au Ikea. Enfin, en fait, partout, quand je dis ça. Hein? Madame. Hein? Celui-là il est bien. Il s'appelle le Groenlingde. Tiens mon cœur. Kylie? Mon petit cœur. Kylie. Oui. Kylie. Tu aimerais me dire si le canapé il est confortable, chérie? Si Kylie elle dit oui, c'est bon, et bon, on va le chercher. Tu peux nous aider? On a vu ce canapé avec là. Kylie. T'es bien là, Kylie? Hey, c'est confortable. T'es bien? Là, tu préfères le grand, toi? Alors, quand on était en caisse pour réimprimer la carte Ikea, ben, y a Kylie. Elle est en train de jouer avec son espèce de compote et elle a tout renversé sur elle. Alors, du coup, on l'a enlevé un petit peu son pull. Attends, il faut que j'ouvre. Je vais ouvrir celui-là. Je vais ouvrir celui-là. Du coup, on a dû lui enlever son pull. Là, il y en a plein la poussette. Si on voit, non. Du coup, on va tout nettoyer et puis on va rentrer. Du coup, Kylie est tout emmitouflée dans mon gilet et moi, je me retrouve en t-shirt. Oh là là. T'es bien dans le gilet à maman? Oui. T'as chaud? Oui. Ah bah, c'est l'essentiel. Hey, elle a la même camionnette que moi devant là. Non, c'est pas le même jaune. Ouais, mais c'est le même modèle. Ah, non. Bah si. Non, 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 non. Mais si c'est le même modèle. Non, 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 la porte du coffre, elle est pas pareille. Oui, mais c'est une option, ça. Et attends, il y a des sièges. Oui, mais c'est la même camionnette quand même.
Bon, mince, il faut que tu... Que je quoi? Bah que... Quoi? Ce que tu veux? Bah tu dis ce que je veux. Mais oui, mais tu veux quoi? Bah Mac First. Mais avec quoi? Avec Mince, j'ai pas regardé la hauteur là-bas. Non, c'est bon. Bonsoir. Ce sera un menu Mac First, s'il vous plaît. Le bœuf ou le poulet? Le bœuf ou le poulet? Ou quoi? Poisson ou poisson? Poulet. Le poulet, s'il vous plaît. En maxi ou en normal? Ah, ça existe. Ah, maxi. Ça existe en maxi? Oui, les maxi existent en maxi. Depuis pas longtemps. Hein. Ok. Tu veux quoi en maxi ou en mini? Je sais pas, c'est quoi la différence de prix. Je sais pas. C'est quoi la différence de prix du coup? Je sais pas. La différence de prix? Ouais. Alors, le maxi, il est à 5,65€. Ouais. Et l'autre, il est à 4,95€. Oh, ça va. Maxi alors? Alors le maxi du coup? Avec frites coca? Potatoes iced tea. On fait pas les potatoes en ce moment, on fait les croustilles à la place? Ouais. D'accord. On prend les croustilles? Ouais. Avec le thé? Du coup, un menu maxi best-of. Avec quel sandwich? Justement, je voudrais regarder si c'est quelque chose de nouveau. Je vous ai pas entendu. Le double chicken barbecue. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En frites coca? Frites limonade. Enfin limonade. Sprite, ouais. Avec ceci? Et encore un cheese en plus. Un cheese? Ouais. Ce sera tout? Ce sera tout. Ça vous fera un total de 21,25€. Merci. Et toi, tu m'as filmé tout le long ou quoi? Oui. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça fait du placement de produit, on peut pas mettre ça sur YouTube. Bah, tu cacheras le logo. Personne sait où on est. Oui, bien sûr. Ça coûte combien le menu Mac First, Maxi? Mais qui sait où est le menu Mac First? Personne. D'ailleurs, tu vas sur YouTube, tu tapes montage Fritten et tu regardes comment il est. Mike ne me croit pas que les canapés Ikea sont en kit. Vous verrez dans toutes les vidéos que Marie n'est pas très douée dans tout ce qui est montage. Rigoler ou quoi, c'est moi qui monte tous les meubles à la maison. Quel meuble t'as monté? Faut pas le croire, j'ai tout monté, tous les meubles moi. Quel est le dernier meuble que t'as monté? Et que tu t'es pas énervé et que j'ai pas dû repasser derrière, hein? Le meuble télé. La table basse. Oui, la table basse, oui. La table basse, c'est quand même moi qui l'ai monté. La table de la salle à manger. La table de la salle à manger, je me rappelle plus ça, je suis désolé. Si, parce qu'en plus c'est moi qui a dû faire, parce que toi t'as fait des mauvais trous qu'on a toujours encore aujourd'hui. Ça d'accord, mais moi, je m'en rappelle plus. Ouais, je m'en rappelle de ça, ouais. Non mais toi, dis-moi un meuble que c'est clair. Les meubles de la chambre à Kylie. Les meubles de la chambre à Kylie, c'est moi. C'est moi. C'est moi entièrement, je m'en rappelle. J'ai dû même couper sous mesure. Et après, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'on a comme autre meuble dans la maison. Mais tu m'as dit j'ai monté tous les meubles. Bah oui, tout seul. Bah non, tu l'as pas monté. On en a pas d'autres. Le mettre dans l'autre chambre, combien de refaire? Le dressing, ça, c'est moi. Toi. Entièrement. C'était trop grand ça. Ouais. Alors, si, moi je suis quand même venue t'aider à la notice de temps en temps. Oui. Et Kylie était toute bébé. Oui. Kylie est la même mise parquet. Oui. Mais toi? Moi je t'ai aidé à lire le plan. Punaise, bon, on va pas réfléchir. Tu vois, on n'arrive pas à trouver qu'est-ce que t'as fait clairement et clair et net. Mais tous les mêmes. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a comme autre meuble que ce que je t'ai cité? On a. Le Kallax, c'est moi qui l'ai monté. Non, c'est moi. Non, c'est moi parce que moi j'ai monté les premiers, t'as monté non. Les derniers. Toi, t'es juste venu, t'as dit oh j'aimerais bien les roses comme ça et les machins comme ça. Non, 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 ça toi tu savais pas. Alors moi j'ai dû retravailler ma tête. Voilà, peut-être. Maman quoi? C'est... Ah, ça va être compliqué là, mon petit chat. De quoi? Elle veut payer. Alors on verra. Voilà, mais c'est tout. Il faudrait que tu te coupes là, ça fait 5 minutes, ça fait 3 gigas ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fait? Le problème c'est que moi pour sauvegarder sous Google Photos tous les rushs, et ben ça prend une plombe, faut que je laisse tourner toute la nuit. Et bah rachète un ordinateur. C'est trop cher. J'ai pas envie de débourser 1500€. Ouais. Enfin si je veux une touch bar c'est 2200. Si tu veux un nouvel iPhone c'est 1900. C'est vrai que tu réfléchis, punaise de merde. Maman, hein? Les ordi sont moins chers. Moi, je râle pour un ordi qui coûte 1500, mais tu veux un nouvel iPhone, c'est 1500. Enfin, si tu veux le plus gros modèle. Bon, on te
rentre, on mange tout de suite. Hein. Non. Quoi? Et t'as vu le corbeau? Ouais, j'ai vu, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a sauté une... Je sais pas, il a acheté un truc avec son bec. Ouais, et... puis il a allé le chercher. Mais il l'a acheté haut. Genre comme un T-Rex, un Vélociraptor. Oui, donc qu'est-ce que tu disais? On te rentre, on mange tout de suite. Non, non, on attend 2 heures, que ce soit bien. Non, mais on va pas rentrer, on fait genre du chichi, machin. On rentre, on mange. Non, aspi, serpillère, salle de bain. T'es capable de faire ça? T'es capable de rentrer, de dire... Oh non, enfin, je vais passer l'aspi, la serpillère. Il faut que je passe la serpillère. Réfléchis 2 fois avant de refaire ce que t'as fait. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, imite-moi. Ah non. Il ose plus, hein. Il ose plus, hein. C'est vrai, t'es toujours comme ça, là. Ou toujours t'es, ou sinon le matin tu fais bon aujourd'hui je passe l'aspirateur, hop, je monte les tables sur le bas, je monte les chaises sur la table et voilà. C'est la première étape, mais cette étape toute la journée ça reste comme ça, le lendemain aussi. Oups là. Oh putain. Oh pardon, pardon. Pardon. Et je crois qu'il me croit pas. Et toi tu il va sortir. Mais non. Il va me péter la gueule. Il a même pas entendu. Et toi, depuis qu'on vit dans la maison, combien de fois t'as passé l'aspirateur, s'il te plaît? Bon, on va pas commencer sur ce sur en fait, ce on a un problème avec Mike. Parce qu'en général, je dois passer l'aspirateur quand il n'est pas à la maison. Parce qu'il ne supporte pas le bruit de l'aspirateur. Oh, c'est bon, ça s'est passé, tu peux le passer quand tu veux maintenant. Ah bon? Ouais, c'est passé ça maintenant. J'ai mes oreilles sont bousillées, je... Et les miennes? Les tiennes, elles sont entières. Tu veux pas manger, toi? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon appétit. Merci. C'est nouveau ça. C'est des recyclables ça. Ouais, il demande si c'est des recyclables. Enfin, si c'est fait en papier recyclé. Vu qu'ils sont verts. À mon avis, le vert, c'est pas trop un signe de recyclabilité. Si, hein, mais... si vert, c'est signe de recyclabilité. Excuse-moi. C'est direct les épines de l'arbre, c'est ça. N'importe quoi. C'est vert quoi. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas d'imprimante. Tu savais que le papier, il est brun à la base, il n'est pas blanc? Oui, il est vert celui-là. C'est quoi le rapport? Mais je sais pas. Je te pose la question, punaise. Ben, je pense pas. Tu me dis, je sais pas, et c'est tout. Mais demande-leur pourquoi il est vert, votre papier. Ouais, je vais lui demander, tiens. Je vais lui demander. Non, non, mais là, c'est trop voyant. Mais quand même, c'est trop voyant. Ouais, qu'il tienne en main. Bonsoir. Merci. J'ai une petite question. Pourquoi ils sont verts dans les tickets? Ah, je sais pas si ça me vient. Ah, d'accord, ok. Je me suis dit, c'est peut-être un nouveau truc recyclé. D'accord. Il y a moi. Il y a moi. Ça y est, je lui ai fait sa journée. Il y a moi. Qu'est-ce que tu lui voulais? Il y a moi. Du coup, on est rentré. On a mangé. Kylie a voulu faire de la peinture parce que je lui ai acheté des. Les nouveaux pinceaux aujourd'hui, du coup on a encore fait de la peinture et là ils sont au bain et du coup va doucement aller au dodo. Je sais pas si Mike vous a dit, on a du coup trouvé une paire de chaussures pour Kylie, souples comme on aime et qui conviennent par rapport au pied de Kylie qui est assez compliqué. Du coup voilà, j'avais commandé cette semaine une paire sur internet, je devrais la recevoir mardi je crois. Du coup on verra si elle convient ou pas, si je la renvoie, si je la garde en deuxième paire, voilà. On a aussi trouvé un canapé chez Ikea. Du coup ça faisait un moment qu'on cherchait un canapé et on trouvait pas notre bonheur. Du coup là bah c'est pas 100% ce qu'on aimerait, mais c'est un prix abordable et il a plus ou moins tous les critères qu'on aimerait. Et comme j'aimerais changer tout l'aménagement du bas et mettre le canapé un petit peu au milieu du salon, j'aime bien les canapés qui ont un beau dossier et qu'en fait on voit l'arrière du dossier. Enfin voilà. Du coup j'ai envie de tester ça. Du coup là on a trouvé un qui me plaît bien dans les couleurs que j'aime et voilà.
Donc on va voir, là en fait il est en 3 colis et il manquait un colis du coup. On a demandé, normalement il devrait en recevoir lundi. Donc je verrai lundi s'ils l'ont reçu, on ira certainement le chercher et voilà. Du coup c'est pas trop mal parce que le canapé qu'on a en fait il s'était déchiré une fois et je l'avais emmené chez un, comment on appelle ça, un tapissier qui me l'avait réparé, mais voilà, il a relâché. Du coup maintenant c'est bon, on a dit on change. Et voilà, du coup j'ai un peu envie de tout changer en ce moment. Du coup bah, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire sans que ça nous coûte un bras non plus. Mais bon, voilà, voilà pour les petites nouvelles. Du coup ben, je vais vous laisser. Vous souhaitez une belle soirée ou une belle journée, une bonne nuit, bon appétit. Et puis, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !